Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Chunia. Nous sommes actuellement en train d'envahir les territoires Pouyens et Nervia. Ah oui, ils avaient ici une contre-attaque d'ailleurs. C'est où ? Istros. Mais on les avait calmés, ils n'avaient pas trop aimé la blague. On peut prendre le chemin sans être... On va les faire fuir plus... Oh, les perdre dans la forêt, non? Ça a l'air d'aller. On va... battre les menhirs ardents. Je sais pas si j'aurais la portée en... trop facile. Ah zut. Voyons. Ok, là ils ont levé une nouvelle troupe. Ah oui, là on avait fait un... Une embuscade qui avait bien marché. Hein. A bien fonctionné l'embuscade. Et on va continuer d'ailleurs. Notre petite route. 1, 2, 3... 1, 2, 3, oui c'est bon. Là je vais envoyer du monde tout là-bas. Ils avaient tenté de nous attaquer mais bon ils avaient compris que c'était compliqué pour eux. Ils ont compris à leur dépens. Hein. Voilà, ils vont nous comprendre une deuxième fois. Litavikos. Oh là là, j'ai un navire qui est de rang maximum. Il atteint rang 9. Ouais, c'est beau ça. Même mon amiral, il est vraiment bon. Hop, on va rimer juste pour réparer un petit peu de tour. Oui. Ça se fait tout seul. Qu'est-ce qu'ils veulent, les cimbres? Attention à vous. Non. Ça, ça, et ça. Là, ouf. Oui, c'est l'hiver très froid là. On s'approchera petit à petit de Rougion, on ira aussi à l'Abu. Et pas à elle à tout bu. J'ai fait plus fin comme humour. Est-ce que la sécession, non, ça a l'air d'être tranquille. Faisons le tour des provinces. Oh, ah oui, il y a du... Qu'est-ce que je voulais faire ici? Sur Guise? Je sais pas, bon, vous savez quoi? Ça va être culturel à fond. Ouais, ça va être culturel. Ouais, mais si c'est culturel, alors... Je sais pas faire ça, je vais faire ça. Au moins, ce qui est bien avec les revenus culturels, c'est que c'est... ça ne bouge pas. Si c'est militaire. Ça, allez hop. Là c'est de la bouffe. Je peux toujours pas améliorer. Ok. Allez on continue. Ah oui, j'ai oublié mon espionne. Ouais, non, là, c'est hors de question. Bon, apparemment, les Boyens, c'est les... Les Nerviens s'entendent bien pour l'embêter, parce que là, ils sont sur les terres de leurs potes. Confédération tribale. Non, c'est ça que je veux voir. Horde des steppes. C'est pas avec la City Royale, ok. Voyons. Oui d'accord, c'est parce que j'avais dû revenir. Est-ce que j'ai la portée pour Kassurgis?
Oui. Ils sont combien? 7. Oh, ils sont mignons. Gouzi, gouzi, gouzi. Oh, ça passerait avec une résolution auto, 130 pertes. Oui. Et là, on avait dit, c'était culturel. Super. Hein. On va tout démolir. Alors là. Là, deux tours, on avait dit. Oui. On va attendre le printemps, l'arrivée du printemps pour se déplacer. Parce que là, il fait vraiment froid dans ces régions-là. On nous fait des pertes. On n'aime pas trop ça. On avait sécurisé. Là, c'était bon. J'ai une espionne qui est arrivée. Non, elle allait à Montréjus. C'est vrai qu'il y a Budorgis aussi à aller prendre. Je sais pas si j'ai la portée. Non. Oula, clairement pas. Les routes germaines sont moyennement praticables. Hop, normalement il devrait pas passer comme ça, hein, je suppose. On sait jamais. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter de Hakink à Kasurgis à Istros et de Sindun à Hakink. Ça devrait être pas mal. Hop, et toi, mortel. J'ai une petite flotte là-bas. On va l'emmener, on va lui faire faire un petit détour. Voir s'il y a des Boyens dans le coin ou autre. Peut-être, hein, peut-être qu'ils ont accès à la mer. On va vérifier. Ils sont combien là? Ils sont 8 plus 20. Allez. Ça risque d'être compliqué. On va faire un petit tour des provinces et repasser le tour. Là, ça se passe bien, hein, là, ça déroule assez vite. Hein. Toujours pas. Hein. Tu me diras, j'ai pas eu ma nouvelle techno. Allez. La batterie, la part. Tout ça. Non. Ça peut être intéressant, mais. Non. Je me méfie des peuples des steppes. Alliance militaire. Tu me demandes de payer, c'est hors de question. Tu me demandes de payer, c'est hors de question. Je cherche pas à comprendre. Hein. T'as quand même bête. Oh oui, ça c'est pas mal. Allez. C'est le printemps. Oh, la route elle est terrible ici. Oh, elle est vraiment pas praticable. Parce que là je voulais aller là-bas mais. Ça va être long. Oui, là en embuscade pour éviter de perdre des troupes bêtement. Hop, on va se rapprocher là-bas. Sur Guise. Oui. On avait dit culturel, 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 culturel. Ah là. Là j'ai 2-3 trucs dans la culture, moi. Pour 4, allez hop. Oh, après je peux faire un temple de Jupiter. Ça rapportera toujours. Voyons voir. Ok, intéressant. Avec la garde prétorienne. On va faire un petit quelque chose. On va s'approcher. Et ici, on va faire un fort. Position fortifiée. Et là, bah alors. On va approcher une unité en embuscade et qui ira sur Bells. Ça
Alors on a une légio pour défendre deux villes, ça devrait suffire. Là. Il y a encore du monde parce que je vois beaucoup de. Il a vidé Lupfordom. Il a vidé sa capitale. Bah écoute. On va aller la prendre s'il n'y a personne enfin. On nous a presque ouvert les portes. Alors on a l'Imperium au rang supplémentaire. On va avoir plus de légios. Attends, à l'abus, on a quoi avec? Ascocalis, Rogio et à l'abus. Ça va finir production industrielle tout ça, moi je te le dis. Oh oui. Ça va faire de la prod industrielle. Tiens, je vais passer là. Ouais, mais là, t'as un fleuve à passer. C'est pas pratique. Tu vas prendre les chemins de terre hein, tant qu'ils sont pas aménagés, hein, écoute. Tant que c'est pas aménagé le coin, on est obligé de rester sur du chemin de terre. J'ai même pas la. Et on y allant en marche forcée, c'est terrible. C'est terrible. Ok, là on est bon. On va voir s'ils vont venir nous embêter, j'aimerais bien. Hein. Il faut recruter des agents, voir si on peut recruter des légios. Alors, qui c'est qui gagne le plus? Ah bah Carthaginensis, on va y récolter des impôts, hein. Rome. Donc des agents. Pas mal au niveau de la boue volée. Punition, taux de recherche. Oui, ça peut toujours aider ça. C'est pas plus intéressant que ça ici. Prendre ça. Alors si je me trompe pas, ouais j'ai un champion. Sabote la colonie. Rallie les esclaves, fais ta vie. Ouh, moins 479. Ah c'est moche. Est-ce que je peux recruter un général pour une légion? Avec que des Julia. Et un Papyria. Je prends pas pris rien. Toute façon, dans tous les cas. Ah merde, non, c'est lui. Non, bah j'ai rien prendre du tout. On va le faire, ce sera mieux. Ah oui, ils viennent de conquérir. Pour d'hommes, ils ont gagné de l'expérience. Lui sera un proche de mon Régis. Il est arrivé dans la mer Noire. C'est toujours de se maintenir, mais non. Lui, il me demande de l'argent. Non. Pareil, il me demande de l'argent, donc non. Une technologie, qu'est-ce que c'est? Corruption, punition, bien évidemment. On n'aime pas la corruption, nous. Là, c'est à qui ça? Ah, c'est à la City.
C'est la City Royale, ok. Alors, ont-ils avancé, ont-ils reculé? Bah, ils ont rien fait, hein. Bon. Écoutez, vous savez quoi, on va faire un siège. Ils ont pas l'air motivés. Personne n'en réchappera. Ils ont pas l'air motivés à avancer, ils ont pas l'air motivés à reculer. On va y aller tranquillement. On va s'avancer direction Belz. Est-ce qu'il passe par là? Non. Là, ok. Yo, là. Oh, bah va, il se trousse. Oh la vache, la portée, par contre. Les routes, elles sont bien foutues, hein. Bah, salut. J'espère que t'as pas trop été déçu par ta route, toi. Allez, bon retour. Donc je vais les traquer. Il était dû laisser trop de survivants, faut pas déconner quoi. Voilà. Merci d'avoir amené des esclaves, encore une fois. C'est d'une générosité sans nom. Il y en a, ils font des dons au Téléthon, il y en a, ils ramènent des esclaves. C'est quand même génial. Oh, genre, il m'avait vu, lui, il dégage. Wesh. Ah, il y a du bâtiment amélioré là. Pas ce que je faisais, agraire. Ouais. Voyons voir. Oh, il y a une flotte là-bas, ils reviennent. Comment allez-vous? Je viens vous couler. Oh, il y a encore les Boyens à Galice. Oui, il passerait là si. Ouais, il passe par là. Là on pourrait par là, ouais, le chemin il est pas terrible. Hein. Non, on va éviter. Même si c'est le printemps, on va éviter quand même. Hop, ah oui, bah oui, ça me rappelle que. On va les entraîner là, en Magna Graecia. Hop, et hop là, voilà. Faites votre vie, prenez un peu d'expérience avant de partir à l'aventure. Là, on a pris un niveau, forcément. On lui dit que ce serait minier. J'ai un agent ici. Au haut de l'esclave. Tiens, et si on essayait? Dommage. On va choper de l'expérience ou pas? Que ça. Hein. Déterminé. Hein? Moins 10? Moins 10 de chance de succès des actions aussi. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là. Ah oui, mon espion est arrivé. Les Séleucides, avec qui on ne s'entend pas, ils sont en train de se taper contre la Bactrie. Ok. Non, on va pas leur faire l'honneur d'un pacte de non-agression. Pas. Non plus. Ils sont très copains par là, hein. Il va falloir s'en méfier. On va chasser les pirates. Encore des gosses. Ici, on va leur voler de la bouffe. Alors là, il y avait un navire.
Pas une flotte nervienne? Où est-ce qu'elle est passée? On va s'avancer tranquillou. Hein. Même, je dirais même plus, de toute façon, on va aller prendre ça. Hein. Oui, totalement, tout à fait. Voilà, on fait un petit blocus. Il devrait attaquer, je suppose. Prendre une dérouillée, pose aussi. Hop là, on va avancer. Avez-vous d'autres ordres? Prêt pour la bataille. Là, on est en reconstitution. Non, c'est fini la reconstitution, c'est bien. Hop, on va avancer. On va prendre deux chemins différents. Toi, tu vas avancer jusque là. Toi, bah, tu vas aller jusqu'à Belz. Tu vas pas aller jusqu'à Belz. Parce que la route c'est pourri, encore une fois. Au moins, ça a des avantages d'avoir une route pourrie, c'est que on t'envahit moins vite. Là. C'est toujours une bonne chose. Prendre. Alors. Ersinia, c'était en agriculture. Oui, ça c'est bien. Tiens, on est comme. Hop. On est à Glacia, il y a du revenu. Je voulais jeter un œil à eux. D'ailleurs, les Juliens. Chier les Juliens. Risque 50% et quand même. Hein. Grosse risque. Grosse risque. Gros risque de sécession quand même. Hein. Oh, je l'avais prévu, non? Je l'avais pas dit? Il faudra juste faire attention à eux. Eux, ils ont les bateaux plus costauds. Mener la bataille sur le champ. En cas de problème, on partira du front, on lui aura fait des pertes. Enfin, on partira du blocus, on lui aura fait des pertes, donc. Il y a pas mal de flotte. Voilà, c'est vraiment eux dont il faut se méfier. Navire d'artillerie paré. Général. Ok. Il y a de la brume. Fils de Mars. C'est pas cool, la brume, c'est jamais très cool. Bon, faut se préparer à se retourner ou pas? Que je regarde, je me méfie. Hein. Ok, ils arrivent de là-bas. De là-bas? Il n'y a pas une troisième? Non. Impeccable. Ça va couler tranquillou. Surtout qu'ils sont bien entraînés pour certaines, là, mais les artilleries, ça devrait être assez précise maintenant. Alors, quelle est la flotte de Garnier? Pillard. Eux. Eux, il faut s'en méfier. Je vais les bouger. Là, je vais les mettre comme ça.
Il reste lent, malgré tout. C'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Et si, ils ont rien compris, eux. Ouais, c'est compliqué, hein, assez compliqué d'aller se placer là où c'est demandé. Ça tient très bien, il n'y a aucun souci là de ce côté. Ça va être plus compliqué, parce qu'il y a vraiment beaucoup de navires. Ah si, c'est bon, ici on y reviendra, sur le placement. Prendre quelques navires, hop, et je vais me foutre de traviole comme ça, je vais avancer. Bon, ça fait... Ah, d'accord. Envoyez tout ce que vous avez, mec. Oh, ça touche, là j'ai un peu de chance. Ah, ça touche pas. On voit, hein, le bateau il bouge pas des masses. Hein. Bon, il bouge assez pour en esquiver, mais. Ah, ok, il attendait de se grouper avec d'autres, je crois. Ok, impec. Un de moins. Faut s'en débarrasser, ça reste des unités à distance. Il est plus précis de loin que de près. C'est original. Ah oui. Il me tire dessus là, c'est pas bon ça. On va demander à ce qu'il tire là dessus. Est-ce qu'on est bon de ce côté? On est impeccable, hein, y a vraiment aucun problème là. C'est moche, hein. Franchement là, ne pas réussir à toucher ça là, voilà. Et ils vont me foutre en feu là si je les attaque pas. En plus, dans tous les cas, ils sont bien paquets. C'est qui m'attaque, c'est eux là qui veulent me foutre en feu. Ils sont pas loin. Là c'est en... Corps à corps. Tenez-vous prêt, navire d'artillerie paré. Ils sont vraiment costauds leurs navires. Ils peuvent m'aborder, rester comme ça. Non, faire un abordage. Allez, vous laissez pas prendre feu, vous laissez. Allez, 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 allez. Elle a pitié. Pourquoi il peut pas bouger lui? Pourquoi j'ai la moitié de mes bateaux qui peuvent pas bouger? Pourquoi pas, ça y est, là ils ont compris qu'il faut y aller. Hop, ça y est, il a compris aussi. Non, il a rien compris du tout, lui. Peut-être qu'il a compris, non, tu vois pas. Faut spammer la souris, hein. C'est un jeu sur lequel tu casses ta souris, apparemment. Même pas parce qu'il s'est fait aborder ce con.
besoin de se faire spammer la tronche. Voilà, enfin. Toi, tu vas juste te bloquer à venir comme ça tout droit là. J'aurais perdu pas mal de troupes, mine de rien. On a un boost de vitesse. Repassez-vous les mecs. Non, sérieux là? Il s'en est pris des charges à lui, hein. Ah bah purée, et on a sa quatrième charge. Ils ont... C'est pas du bois, hein, le... C'est un bateau en fer, hein, c'est pas possible. Ah bah bonjour, j'y croyais plus. Arrête de bouger, toi. Allez, chercher. T'as fait le tour, tu iras chercher tant quoi. Comment ça, vous, pourquoi vous êtes défaillant? Oh putain, il y a du feu, non? Non, même pas. Ouais, bon, il préfère rentrer dans son pote plutôt que de faire ça, quoi. C'est pas très grave, c'est classique. Allez, ramez de rue. D'accord, donc en plus de me faire chier, il me fait chier. Allez, you can do it. Wouah, ça c'est de la charge, les gars. Wow. Continuez jusqu'à ce qu'ils soient tous coulés, j'en ai rien à secouer. Ah bon, j'en ai dû en louper quelques-uns. Bon, j'ai dû en louper un. Bon, j'ai perdu quelques navires. J'en ai au moins perdu un, deux. Ça, c'est un peu embêtant. C'était bien entraîné et j'ai rien pour en recruter dans le coin. Si, là, la ville que je vais reprendre, justement, je vais pouvoir en recruter... Donc c'est bon, ça va le faire. Ah, j'en ai perdu deux. Oh, et puis des bien entraînés en plus. Hein. Ça, c'est pas celui-là que j'aurais perdu, quoi. Dommage. Oui, bon bah là il peut toujours essayer mode protection. Voilà. Suivant. Non, c'est bon. Tu peux en renvoyer d'autres, t'es sûr? Moi je t'attends, il n'y a aucun problème. Ouais. La fameuse sécession, on l'avait prévu, donc ça va en soi. Eh ben, on va arrêter l'épisode ici. On s'occupera de la sécession lors du prochain épisode. Moi, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. C'était Thiob. Ciao.